3, 2, 1. Salut mec, je t'apporte de quoi boire. Par contre, qu'est-ce que tu fous dans cet état-là? T'es dégueulasse. Ouais, je me suis cassé la gueule à la vigne. Là, je viens tout juste de rentrer, je me suis blessé en plus. J'ai pas le temps de me changer. Ah, ça fait 8 mois que tu bosses là-bas, tu tiens toujours pas sur tes jambes? Ouais, bah écoute, faut croire que voilà, je suis pas fait pour ça. Je sais pas. Rien. Je te laisse rentrer? Ouais, ça marche. Merci. Je suis d'accord avec toi. Mais dis-moi, pourquoi t'as pas choisi d'aller dans un autre vignoble? Tout simplement parce que c'est un ami, un collègue avant tout, et ça fait je sais pas combien de temps qu'il me tanne pour aller voir son chai. Et franchement, il propose et il produit un petit Saint-Émilion. Ça vaut le détour, ça vaut okay. Franchement le détour. Bon, moi, la prochaine fois que j'irai à Bordeaux, je goûterai de ce Saint-Émilion. T'as piqué mes curiosités. T'as bien raison. Il est assez tard, je vais y aller. Ouais. Je te laisse. Ok. À une prochaine ? On se voit bientôt. Ouais, t'inquiète, à la prochaine, mec. Prends bien. Merci. Bonsoir, Société des crimes temporels, Alexandre Moncé, rapport. Ça ne va pas être nécessaire. Alexandre Moncé a été contrôlé. Il n'y a rien à signaler. C'est fini. On ne peut pas continuer. Tu as tout modifié et tout décalé pour nous et notre amour. Mais est-ce que tout ça en valait vraiment le coup? Le temps n'est pas contrôlable et pas malléable. Il finit toujours par nous rattraper et par nous ramener à la réalité, dans notre temporalité. Tu as beaucoup risqué pour nous deux. Mais un saut dans le temps, ce n'est pas sans conséquence. Reste où tu es. Alexandre Moncey, vous avez transgressé toutes les lois de la temporalité en faisant un bond d'un demi-siècle à travers les époques. Laisse-moi ! La conséquence de cette distorsion de l'espace-temps vous condamne à une réclusion temporelle variable. Vos souvenirs seront dès à présent altérés.